Dans le cadre de la stratégie de développement du secteur de l'artisanat et la volonté du groupe Managem de développer et de mettre en œuvre des projets sociétaux au profit des populations riveraines de ces sites miniers, une convention cadre a été signée mercredi à Rabat. Cette convention a pour objectif le développement du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, visant l'amélioration des revenus des artisans et des groupements professionnels et le renforcement du tissu productif. La convention qui est signée aujourd'hui entre le ministère et le groupe Managem a pour objectif d'appuyer la production en matière d'artisanat, notamment les matières premières, les études techniques, les équipements, d'appuyer également la formation professionnelle et la formation continue, d'appuyer également la commercialisation, la promotion. C'est un partenariat extrêmement important parce qu'il impacte directement les populations environnantes donc qui vivent dans l'entourage immédiat de nos exploitations minières. Donc il consiste essentiellement en appui important en termes d'approvisionnement donc pour les matières premières donc qui sont extraites de nos mines, comme l'argent par exemple, mais aussi en termes d'appui de formation donc pour les artisans, donc avec l'appui et l'assistance de notre centre de recherche et développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ce programme, des comités de pilotage et de suivi ainsi que des groupes de travail locaux seront constitués. Pour chaque projet, une convention spécifique qui en définit la consistance, le coût et les modalités pratiques d'exécution sera préparée également et signée par les acteurs concernés.